Aujourd'hui, je suis allée en ville dans la boutique Les Bougies de Charroux. Donc voilà. Alors c'est vrai que moi j'avais la bougie à l'huile essentielle de lavande et franchement elle est très très chouette. C'est 16 euros quand même la belle bougie comme ça. Donc je sais plus combien d'heures de brûlage il y a mais ça faisait longtemps que j'avais cette bougie-là. Et là cette fois je me dis je vais tester une autre odeur de bougie mais c'est pas à l'huile essentielle cette fois. Dans les huiles essentielles il y avait donc je disais lavande, il y a aussi un mix d'huiles essentielles, je ne sais plus très bien lesquelles, faudrait que je regarde sur le site internet, mais voilà, dans les boutiques aussi, en Belgique en tout cas, c'est possible de voir, en tout cas, il y a une boutique, enfin plusieurs boutiques aussi en France, hein. Donc parce qu'à la base, c'est français, les bougies des Charroux. Alors, c'est musc oriental que j'ai ici, voilà. Voilà, la petite bougie. Ah là 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 là. C'est incroyable. Alors ici, la particularité de ces bougies-là, elles sont fabriquées à la main en Auvergne. Bon, ben en fait ici, ce sont vraiment des bougies qui n'ont pas des effets néfastes au niveau respiratoire déjà, faut savoir. C'est des bougies vraiment naturelles et elles sont vraiment incroyables. Il y a des parfums magnifiques. Il y a des odeurs florales, des odeurs beaucoup plus sucrées, Barbapapa par exemple, ce genre d'odeurs. Je vous invite à visiter vraiment cette boutique qui est vraiment juste amazing et c'est vraiment un cadeau pas mal pour la fête des mères. Voilà.